Very quick, aren't they? À mon sens, sa langue des signes est comparable au style d'un très grand écrivain. Elle est d'une grande valeur. Pour moi, Guy, c'est l'équivalent de gens du niveau de Fernand Reynaud ou de Coluche en langue des signes. D'avoir une langue des signes difficile, quand il racontait des histoires, c'était absolument limpide, d'une grande clarté et d'une drôlerie incroyable. J'étais complètement fasciné par ces histoires. Ici Paris, et on descend et on va dans le massif central et on va rentrer dans cette rivière ici que l'on appelle la Vézère, et Lascaux est par ici. On a le naseau naturellement et l'œil, et il suffit en fait de dessiner, d'utiliser, on a le relief et on a la tête de l'auroch qui apparaît. Tu prends du recul et tu as l'animal qui apparaît. C'est comme un Lascaux, voilà. Dis-moi, la première fois que tu es entré dans la grotte de Lascaux, qu'est-ce que tu as ressenti ? Une respiration. Comme l'impression de rentrer dans un monde intérieur. L'art pariétal, l'ombre et la lumière, en alternance, ils profitent des espaces éclairés, mais aussi ils savent profiter de l'obscurité. C'est quelque part l'ancêtre de l'animation, du dessin animé. Alors, on dit ça, mais en fait, imaginons simplement qu'on va être amené à dessiner dans la nuit et puis d'un seul coup à éclairer avec une bougie les dessins. Eh bien, on aura une perception différente des choses. No.
Voilà la grotte de Gargas. Entrez. Le professeur Leroy Gourin a été le premier qui fut célèbre, aussi célèbre que l'abbé Breuil, à dire que c'était peut-être un langage gestuel, c'est-à-dire un langage comme le langage des sourds-muets. Les mains, regarde là. Tu reprends à 35,5, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, Mati. Ça va bien ? Bien. Allez, bien. Viens t'asseoir. On va faire une petite séquence de bruitage. Assieds-toi. On va t'initier au bruitage. Bien. Mets-toi devant le micro. Mets-toi devant le micro. Oui. Très bien. Prends les gants. Et avec les mains... Regarde l'image. Vas-y, envoie l'image, s'il te plaît. Attention. Parfait. Coupe. Très bien. Super. Formidable. Bien serré. Bien dégagé. Coupe. Ah là, c'est dur, là. Hein. C'est dur, hein. C'est un peu plus difficile, wow, là, quand même. Trop fort. Pour le synchronisme. OK. Chaque fois qu'on veut entendre un son, qu'on veut le produire, il faut l'anticiper. Il faut imaginer le son tel qu'on veut qu'il sorte. Et il est d'abord fait, d'abord la musique, c'est d'abord le silence. Et dans le silence, on imagine l'équilibre sonore, le geste qui va correspondre au son que la pensée veut transmettre, parce que c'est toujours la pensée qui guide le geste. Maintenant, tu bouquines ou c'est ta peau cigarette ? Non, rien de tout ça. T'es enfin arrivé. Bonjour. C'est ta maison ? Oui, elle date de 1860. Viens, on va s'asseoir. Tu vis ici depuis longtemps ? En fait, j'habite pas dans cette maison.
J'y viens seulement le week-end ou pendant les vacances, pour le plaisir, pour être au grand air, pour me changer les idées. Il n'y a pas de chauffage dans cette maison, alors en hiver, avec le froid, on ne tiendrait pas. Je vis dans mon autre maison. Et t'habites dans le coin ? Oui, à Pamiers, à côté de Foix. Ah, Pamiers. Tu vas bien ? Nickel. Ça me fait plaisir moi de te aussi. Voir. On va où, là ? Refuge ? Par là ou par là ? Par là. Par là. Pour suivre refuge. Oui. Dites-moi les gars, ici en Ariège, il y a une vraie qualité de vie. Ah oui, oui. Vous me dites oui, mais racontez-moi. On a les bains bouillonnants, du bio, la montagne, l'air pur, une santé de fer, le ski. Je peux pas tout citer, il y a trop de choses, trop de loisirs. Rocky Zero, 32 ans, fan de rock'n'roll, de boxe, de films, de graffiti, de punk, un grand cocktail graphique saturé de couleurs, de rouge, de vert. Et puis, j'espère que ça vous plaira, ou que ça vous plaira pas, mais j'espère que ça vous fera quelque chose, quoi. Ça fait regarde si les flics se pointent pas. Donc là il écrit avec l'alphabet braille. Donc c'est l'alphabet qui sert aux aveugles pour pouvoir communiquer entre eux. Donc c'est entendre l'infini à perte de vue. Donc lui il écrit en braille à perte de vue. C'est des morceaux de main, c'est le corps morcelé. On est sur le radeau de la Méduse de Jéricho, tu vois. Il y a un côté cannibale, presque. Et du coup, là, sur le mur, quand tu passes, c'est violent, c'est du street art. Il n'y a pas à chier, on prend une tarte, quoi. C'est vraiment questionner, pas donner tout cru du pain dans la bouche. Et voilà, ouais, on laisse un choix. On laisse un choix de découvrir et à la fois, on impose. Donc c'est assez drôle, justement, quoi. Les zombies, c'est les réminiscences du passé que je passe mes nuits à combattre. Comme tout artiste, je pense qu'on a une enfance parfaitement heureuse. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc les zomblards, c'est un peu ça. C'est les démons que je combats, que j'essaie de recouvrir de jelly à la fraise framboise, de guacamole, de tendou, de goût super soft. On traîne son boulet comme on peut, hein, les loulous. Bon Pompon, cette fois t'es avec moi, ouais. Tu lâches la caméra, ouais. Ça va péter, on y va. Ça va chier, allez.
Donc voilà mon petit pompon, on a fini. Ouais, c'était bien. Hein. Donc à ton avis, là, les gens qui passent, ils voient notre peinture, qu'est-ce qu'ils prennent dans la gueule là, qu'est-ce ouais, que... de la couleur là hein, déjà, hein, donc c'est pas couleur, mal. Hein. Donc moi c'est mon truc, hein, c'est la peinture. Hein, c'est. Vas-y, ouais, dis-nous un peu là. Bah moi ce que je kiffe hein, c'est me faire plaisir hein, principalement quand même hein, c'est me développer moi-même, faire ce qui me représente sur les murs et essayer de le montrer aux autres pourquoi pas d'une certaine manière puis principalement ça hein, voilà hein. Toi tu bouges pas mal en France, Ouais je fais des bornes pas mal, ouais j'aime ouais, bien c'est ça, hein. trouver des vieux endroits tout vierges avec des vieilles tapisseries, des trucs comme ça qui t'a défoncé les portes hein, tant qu'à faire, faut pas hésiter, faut voilà, le dire donc, hein, directement. Des endroits abandonnés qui sont. Ouais, des vieilles friches, des vieilles maisons, des trucs comme ça. Donc on a Pompon, ouais. De tous mes potes et celui qui continue à faire chier les gens, qui continue à emmerder. Il faut espérer que ça te fasse remplir un peu le frigo maintenant que t'as plus de travail hein. Quoi. Après les extincteurs, ça le vide plus que ça le remplit, hein, mais bon, faut savoir dans la vie, faut savoir rigoler donc. Quel arbre ! Il a poussé tout seul, donc il a pris de l'espace. Viens là. On va se mettre par là. Touche-le. Ici, il est sec. Et si tu suis, si tu arrivais à lire, il y a des noms de chevaliers, il y a Galahad. Il y a des signes étranges aussi. Il y a beaucoup de gens un peu mystiques qui traînent dans ces bois.